kiffe trop la musique depuis quelques temps et je me suis vraiment intéressé à ça. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais l'ouvrir, je vais tout installer et on essaye de faire une instru. Faut savoir, j'ai jamais fait de piano de ma vie, donc j'ai fait un peu à la maison comme ça, mais j'ai jamais fait de cours. Certes, je sais pas le solfège, je sais pas tout ça, mais j'ai comme ma mère et mon oncle de Colombie, on a l'oreille. Bon, j'ai pas une super oreille comme eux, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit que j'entends un peu l'instrumental, j'apprivoise, je teste un peu le piano et je peux faire une musique basique. Vraiment genre les simples notes, bonnes notes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Là il est 8h, je vais installer tout ça et on y go. Ok les gars, j'ai installé tout ça. Il y a tout qui est là. J'ai installé FL Studio en attendant la version d'essai. Il est quelle heure maintenant? Il est 10h. Donc le temps que ça m'a tout installé et mangé, ça m'a pris 2h. Mon pote Marco qui m'a envoyé quelques sons faciles entre guillemets. Pour lui c'est facile parce qu'il fait du piano. Donc il y a un peu de tout, je lui ai demandé un peu de tout. Il m'a envoyé du Jojo's Mystère, le thème. Du Putana de Nino. Et le Gangsta Paradise de Coolio. Donc c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui, un peu ça, et on fera d'autres choses. Donc là, j'ai installé FL Studio, je vais vous montrer via l'écran tout de suite. Ce qu'on va faire, il m'a conseillé de commencer par la musique de Jojo Mystère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien écouter l'instrumental, analyser un peu les notes à l'oreille. Donc ça va me prendre un peu de temps, je vais un peu appuyer sur tous les boutons pendant un moment pour apprendre vraiment les notes, à apprivoiser le piano. J'ai pas tout, je connais pas encore toutes les fonctions du piano, mais on va essayer ça. Donc on va juste écouter, je la connais déjà, je sais à peu près comment c'est, mais on va quand même écouter. Ok, ça va jouer sur les aigus. Ok. Ok. Ah, j'aime bien celle-là. On va pas enregistrer sur FL Studio, on va juste le faire comme ça pour apprendre. Donc là, bon, je vous montre à l'écran ici, vous allez voir, on a FL Studio, là c'est la guitare, je vais utiliser des plugins, FL Key, c'est quoi? Ouais, ça c'est un bon piano, bon c'est un piano de base, non? C'est un grand piano ça, ouais, grand piano 3M, ouais ça doit être ça. Donc on va utiliser un grand piano pour faire cette musique. Attends, je vais juste réécouter une dernière fois. Donc on va jouer sur ce côté ici, bon de toute façon on n'a pas le choix, ici on peut appuyer sur les octaves, on monte etc. Ce qu'on va faire, c'est que... Ah, on va prendre déjà d'un côté, donc une main, et ensuite on va rajouter la seconde main pour accompagner la main. Donc, ça va donner un truc comme ça, attendez. Donc, ça va... Je vais juste, ça va faire des bruits bizarres, c'est normal, c'est juste pour apprendre à improviser. Non. Ah, voilà. J'ai aussi, en attendant, travaillé pour la main gauche, pour accompagner. Parce que c'est juste ça... C'est pas terrible. Donc si je fais comme ça, tu vois, là c'est déjà bon. Maintenant faut le ta-na-na-na-na-na-na. Donc pour le ta-na-na-na, c'est pas trop compliqué celui-là. Non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouh, là on est sur la bonne voie. Et ensuite on reprend. Et ensuite faut aller sur du aigu. On repart et on va sur du aigu maintenant. Tu vois? Ah voilà, là ça donne bien. Non, en fait, non. Je pense qu'on n'est pas loin. Je pense que si je continue à m'entraîner, je peux faire un truc similaire. Donc voilà, ça c'est le premier, le second il m'avait conseillé Putana ou Gangsta Paradise. Putana il m'a l'air plus simple, on va juste faire, on va juste noter Putana ici, instru, pour écouter l'instru, pas les paroles, parce que je m'en fous, juste essayer de faire l'instru. Ok, donc ça fait ça. Putana, yeah. Ta 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 ta. Donc les notes, ça y a pas un problème, parce que tu fais ta na na, ça va de gauche à droite. Il n'y a que 3 notes sur celle-là, elle est rapide. On va mettre la guitare, donc on va mettre... Je sais pas si celle-là elle va. Un peu plus à gauche. Ouais, pour moi c'est ça. Bon, on va essayer, de toute façon c'est pas les notes officielles, donc ça ferait... Vous voyez en fait sur le pad blanc, les notes que j'utilise. Donc là on va faire comme ça.
Pour moi, c'est ça. Et ensuite, on retourne en bas. Mais il y a, pour retourner en bas, il y a une note complémentaire à rajouter. C'est un nan nan. Tu vois, vous savez, vous voyez ça. On fait nan nan nan. On glisse. Donc là, faudrait utiliser plutôt ça. Donc, on va continuer cette première partie. Et ensuite, ta-na-na. Bah pour moi c'est ça. Et ensuite. Ok. Ouais c'est ça. Non, un truc qui cloche. Ça doit être ça. Non, il y a une faute, attends, attends. Ouais bon tu sais quoi, on va s'arrêter là pour cette musique puisque après ça revient répétitif. Anecdote, la première, vraiment la première musique que j'ai réussi à faire au piano que j'ai pas filmé hein, bien sûr, elle est hyper simple. C'est po poro po 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 po. Après on peut rajouter si on enregistre la batterie, caisse claire, etc. Mais bon, on va pas aujourd'hui, on apprend un peu à manier ce piano. Mais il est... je l'adore, hein, je l'adore déjà. C'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous voulez que je fasse d'autres vidéos au piano où on pourra même créer des instrus, créer une musique. Je me suis vraiment lancé beaucoup dans la musique. J'ai même créé, j'ai fait déjà deux sons où j'ai rappé dessus. Ce sera plutôt du rap conscient. Où je fais, je parle de quelque chose. Bref, je pense pas que je vais vous le montrer maintenant. C'est pas pour le moment. Même si je l'ai terminé la plupart, j'ai déjà choisi l'instru. Attendez, elle est là. Bon les gars, vous me voyez plus ma tête parce que ma caméra n'a plus de batterie. Ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, partager. Pour la prochaine fois, on va essayer de créer nous-mêmes une instru, faire d'abord Gangsta Paradise, faire d'autres petites musiques. Et voilà, c'était sympa. Ah bah j'ai reçu un message de mon prof de philosophie, dédicace à vous. Ok super, continue à bien étudier avec ton cousin à plus. Yes, merci monsieur. C'est la fin de cette vidéo et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.